وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Serviteur d'Allah, mes frères, mes sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous réunissons pour étudier le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en comprendre l'essence. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des personnes du Coran qui lisent, qui apprennent le Coran, qui le méditent, qu'ils le mettent en pratique, qu'ils le transmettent. Car les gens du Coran, ce sont les gens aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans aucun doute, on ne peut pas être des gens du Coran sans comprendre ce que le Coran nous dit, sans comprendre ce qu'Allah ta'ala nous dit. Donc, on essaye, inshallah, justement, de faire ces assises pour se rappeler de ces paroles et d'en tirer, inshallah, des leçons et des règles. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Comme vous savez, nous allons dans le sens contraire. Nous avons choisi cette manière pour, Inch'Allah, au plus vite finir toutes les sourates que la plupart des musulmans connaissent. Car si on commence par le Baqara, il y a peu de musulmans qui connaissent sourate al-Baqara et qui la récitent dans toutes leurs prières. Alors que les dernières sourates, Juz Amma, les deux derniers hizb de sourate al-Naba jusqu'à Nas, c'est ce qui est habituellement très récité dans les prières. Donc on a besoin d'en comprendre l'essence pour pouvoir, Inch'Allah, corriger et améliorer notre salat. Donc, on en est à Surat Al-Kawthar. Al-Kawthar, on pourrait traduire ça par l'abondance. Le titre de cette surah, il est tiré du premier verset où Allah Ta'ala dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Il a été révélé dans le sahih de l'imam muslim. Anas ibn Malik dit, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous un jour, il a été pris comme d'une perte de conscience ou alors comme un évanouissement ou comme quelqu'un qui somnole. Puis il a levé, c'est-à-dire il a baissé sa tête. Puis il a levé sa tête souriant, sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui avons dit, qu'est-ce qui te fait sourire au messager d'Allah? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, il vient de m'être révélé la sourate et il a lu Bismillahir Rahmanir Rahim Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Puis il a dit, savez-vous qu'est le Kawthar? Nous avons dit, Allah et son messager le savent mieux. Il a dit, c'est un fleuve que mon Seigneur m'a promis, Azza wa Jal, dans lequel il y a beaucoup de biens, une grande abondance. Et c'est un bassin auquel ma communauté va être présentée le jour du jugement dernier. Ces récipients sont au nombre des étoiles. Le serviteur va venir le jour du jugement dernier pour s'en approcher
et il en sera interdit, il en sera privé. Je dirai, Seigneur, il fait partie de ma communauté. Alors il me sera dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Il y a aussi, comme l'a rendu véridique Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Mawarid, selon Abdullah ibn Abbas, que quand Ka'b ibn al-Ashraf est venu à Mecca, ils sont venus le voir, ils ont dit, nous les Quraysh, on est les gens qui abreuvent les gens, on est les chefs des Arabes, et toi tu es le chef des gens de Yathrib. Yathrib, c'est quoi? C'est l'ancien nom de Al-Madina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a changé son nom, car ça avait une mauvaise connotation, Yathrib. Il dit, est-ce que nous on est mieux? Ou bien cette personne-là de son peuple qui prétend être mieux que nous? Il a dit, vous, vous êtes mieux que lui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna shani'aka huwa al-abtar. Certes, celui qui te déteste, c'est lui qui est coupé de tout bien. Et ça aussi, c'est une version sahiha. Allah tabarak wa ta'ala dit, inna a'tainaka al-kawthar. Comme a dit l'imam al-Sa'di, rahimahullah, Allah ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui citant ses bienfaits, qu'il lui a donné al-kawthar, c'est-à-dire l'abondance, le grand bien et les grands bienfaits. Parmi ces bienfaits-là, il y a le bassin du Kawthar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura le jour du jugement dernier. Donc Abdullah ibn Abbas et d'autres parmi les Mufassirin ont dit que le Kawthar, ça n'est pas spécifique seulement au bassin. Bien sûr, le bassin, il s'appelle Kawthar, il fait partie de l'abondance dont Allah tabarak wa ta'ala a donné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas la seule chose. Allah ta'ala, il l'a comblé de bienfaits dans ce monde et dans l'au-delà. Parmi les bienfaits qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a donné dans ce monde, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih de Abu Dhar al-Ghifari, il a dit, on m'a donné 5 choses que personne n'a eu avant moi. On a fait de la terre pour moi et pour ma communauté qu'elle est pure et que c'est un lieu de prière. On m'a autorisé, il m'a été rendu licite le butin de guerre, alors que ce n'était pas licite pour les prophètes avant moi. Et Allah tabarak wa ta'ala m'a donné l'aide et son appui sur une distance d'un mois sur mes ennemis. Et j'ai été envoyé à toute l'humanité, alors que le messager avant moi était envoyé pour son peuple. Et dans une autre version, c'est-à-dire à toute sorte, toute nationalité de gens, toute origine, toute race. وَعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ. Et on m'a donné l'intercession. Elle touchera de ma communauté toute personne qui ne donne pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà parmi les bienfaits aussi, l'abondance qu'Allah tabarak wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces bienfaits-là dans ce monde. Et d'autres encore qui n'ont pas été cités ici, min khasa'is an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses signes et parmi les bienfaits par lesquels Allah tabarak wa ta'ala l'a comblé. Il y a même des ulama qui ont fait des épîtres et des écrits spécialement pour cela. Toutes les choses avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est spécifié et les bienfaits qu'il a en plus dans ce monde et dans l'au-delà. Donc parmi celles-ci, il y a le fait qu'Allah ta'ala lui a donné, et ça, alhamdulillah, ça a été aussi pour sa communauté, tant qu'ils sont sur sa sunnah, comme les mu'arrikhoun, comme les historiens le disent. Tant que les musulmans étaient unis sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ennemis les craignaient à un mois de distance. Quand la fitna a apparu entre les musulmans, alors à partir de ce moment-là, les ennemis ont commencé à attaquer les musulmans qui étaient dans leur bordure. Ils ont commencé eux-mêmes à attaquer et ne plus avoir peur. Voilà, à chaque fois que la communauté est unie sur la sunna, sur le haq, sur la vérité, et elle est sur une khilafa rachida, comme ils étaient à l'époque des califes, sur la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, alhamdulillah, l'aide d'Allah est avec nous, et nos ennemis nous craignent à la distance d'un mois de voyage. Mais dès que nous nous éloignons de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et que nous nous divisons en groupes et en sectes, chaque groupe étant heureux de ce qu'il détient et de sa voix, alors, cette aide-là, ce cadeau, ce bienfait qu'Allah nous avait donné, nous ne le méritons plus et nous en sommes privés. Et nous devenons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes les communautés vont se réunir sur la Oumma du prophète sallallahu alayhi wa sallam
comme des affamés qui se réunissent autour du plat pour le manger. Et que nous serons ce jour-là, on sera comme l'écume de la mer, nombreux, mais comme de la mousse qui n'a aucune valeur ni aucun poids. Non. Parmi les choses aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu qui est spécifique à lui, il a été envoyé à toute l'humanité. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On ne t'a envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Et qu'il a été envoyé linnasi kaffa, à tous les hommes, jusqu'au jour du jugement dernier. C'est le dernier des prophètes et messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et il a laissé après lui des héritiers qui sont les savants, qui portent son flambeau et qui le transmettent après lui. Car les savants sont les héritiers des prophètes, comme lui-même l'a dit, que les prophètes, ils n'ont pas laissé en héritage des dinars ni des dirhams, mais ils ont laissé la science, celui qui l'a pris a pris une grande part, et il a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. C'est pour ça que les savants, alhamdulillah, ils méritent une part, j'ai bien dit, une part des politesses qui sont spécifiques aux prophètes, c'est-à-dire du respect qu'on leur doit. Car ce sont les héritiers des prophètes dans la manière d'agir avec eux, dans la manière de parler avec eux, dans la manière de se comporter avec eux. On leur doit obéissance sous l'obéissance d'Allah et de son messager, etc. Car ce sont ceux qui portent cette législation, la loi d'Allah, cette révélation, et ce sont ceux qui la protègent de toute déviance et falsification. L'intercession que certains groupes égarés ont renié, comme Al-Mu'tazila, les Mu'tazilites, qu'on pourrait résumer par les gens qui suivent la raison avant la révélation. Aujourd'hui, il y en a, même s'ils sont pas, ils disent pas les mêmes paroles que les Mu'tazila, ils ont la même école de pensée. Pour eux, tous les textes s'expliquent d'abord par la raison avant la révélation. Et ce que la raison n'accepte pas, ils l'interprètent à leur manière ou ils le rejettent. Naam. Alors eux, ils ont refusé Al-Shafa'a. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il l'a confirmé et il y a des hadiths sahihas qui sont arrivés, qui sont ramenés d'un grand nombre, jusqu'à un grand nombre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tous s'unir pour dire un mensonge. Ce qui prouve que ça ne peut pas être, c'est aucun doute, c'est une certitude. Donc, al-shafa'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants, ils ont la shafa'a. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une shafa'a, une intercession spécifique à lui. La shafa'a tul uzma, l'intercession, la grande intercession, le jour du jugement dernier. Quand tout le monde attendra d'être jugé, cette attente, elle sera terrible, elle sera insupportable. Ils vont aller voir les prophètes et les messagers pour leur demander de faire quelque chose pour eux. Et chacun va rejeter cette responsabilité, va rejeter ce bienfait. Et ils disent, nefsi, ils vont avoir peur pour leur propre personne. Alors qu'ils se sont les meilleurs des hommes et tous, ils vont diriger les gens vers qui ? Vers le meilleur des hommes et l'imam des messagers et des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va se prosterner et Allah va lui inspirer des louanges et des demandes spécifiques à lui. Et il va lui donner cette place haute, subhanahu wa ta'ala. Et il va intercéder pour que le jugement commence. Aussi, une autre intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en a parlé la dernière fois. C'est le fait qu'il a intercédé pour son oncle Abu Talib pour que son châtiment soit allégé en enfer. C'est le maximum qu'il a pu faire pour lui car il ne peut pas intercéder pour un kafir pour être préservé du châtiment. Donc, il a juste intercédé pour que son châtiment soit allégé en enfer. Et cela est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela est interdit à n'importe quelle personne après lui. Nous n'avons pas le droit de demander l'allègement de châtiment pour un kafir et de faire dua pour lui après sa mort. Même de son vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous regardez les invocations qu'il faisait pour les kuffars, c'est qu'Allah vous guide. Et qu'il arrange vos affaires et qu'Allah vous guide. Jamais il leur fait la dua de la baraka ou ce genre de dua. Pour un kafir, tu ne dis pas Allah ybarik ou barak Allah fik, même de son vivant. Tu dis Allah ihdik, c'est la meilleure chose que tu lui demandes. Qu'Allah vous guide. Naam. Et après sa mort, tu ne peux plus rien demander pour lui. C'est fini. Et parmi les bienfaits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura dans l'au-delà, donc, al-shafa'atul uzma, al-hawd, al-kawthar, qui est le titre de la surah. Et qui est ce bassin qui est plus blanc que le lait, plus doux que le miel, ces récipients plus nombreux que les étoiles, qui sont brillantes comme les étoiles, et dont vont être privés les innovateurs de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les reconnaître. Comment il reconnaît sa communauté le jour du jugement dernier? Aux traces des ablutions. C'est-à-dire ceux qui seront repoussés du bassin, ce sont des gens qui font les ablutions. Ce sont des gens qui font salat. Walakin, ils ont
innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont retournés sur leurs pas. Ils ont délaissé le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui leur interdira l'accès au bassin du prophète alayhi salatu wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit dans le hadith sahih rapporté par Tabarani, qui est un hadith acceptable, que Allah refuse le repentir de l'innovateur tant qu'il ne délaisse pas son innovation. Alors son repentir ne sera pas accepté. Naam, car un innovateur, il croit qu'il s'approche d'Allah avec cette adoration, donc il a du mal à se repentir. Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala lui dit inna a'tainaka al-kawthar, l'abondance. Aussi parmi les bienfaits de l'abondance, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a l'abondance de suiveurs, qui est le plus suivi parmi tous les prophètes, celui qui aura la plus grande communauté le jour du jugement dernier. Alayhi salatu wa salam, comme il est venu dans le hadith sahih qu'il a regardé un prophète qui est venu avec une personne, un autre prophète avec 10 personnes, etc. Et jusqu'à qu'il a vu un prophète avec un grand nombre, il a dit qui sont ceux-là ? Ce sont Moussa et sa communauté. Puis il a vu sa communauté d'un grand nombre. C'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était beaucoup plus. Et parmi eux, 70 000 qui entreront au paradis, bighayri hisabin wala adhab. Donc c'est celui qui a le plus de suiveurs sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est un grand bienfait. Celui qui indique un bon chemin, c'est comme celui qui pratique ce bien-là. Qui a indiqué, qui était la cause de la guidée de tous ceux qui croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui pratiquent les actions qu'il leur a enseignées? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça aussi c'est un bienfait d'Allah parmi l'abondance qu'Allah lui a donné. C'est que tous les actes que font tous les serviteurs, ça fait partie des hasanats du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'où on voit l'ignorance des soufis qui disent « Ah, je sacrifie cette bête en cadeau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de tes cadeaux, barakallahu fik. Tout ce que tu fais, de toute façon, il a déjà une récompense dedans, car c'est lui qui t'a indiqué cette manière-là. Certains parmi les soufis disent « Je sacrifie cette bête pour l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Ça, c'est une bid'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a nullement besoin de cela. Tout acte que tu fais, tout acte que les musulmans font, il a une part de récompense dedans, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Aussi la place honorable, le maqam al-mahmoud, qu'Allah Ta'ala lui a promis. Comme Allah Ta'ala a dit, la place honorable qui est spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam, et cette intercession énorme, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et bien sûr, on ne parle pas de cette place au paradis qui lui est, alhamdulillah, sallallahu alayhi wa sallam, vouée la meilleure des places, sans aucun doute, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons certes donné l'abondance, comme on dit le Mufassiroun, Al-Kawthar, le bassin, n'est qu'une partie de toute cette abondance qu'Allah Ta'ala lui a donnée. Et là, je n'ai même, moi, dans ce que je vous ai expliqué, je vous ai cité qu'une partie. Et Alhamdulillah, Allah Tabaraka Ta'ala l'a comblé de bienfaits, sallallahu alayhi wa sallam. Comme on va le voir plus tard, quand Allah Tabaraka Ta'ala dit Alam nashrah laka sadarak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak sallallahu alayhi wa sallam. Fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. An-nahr, c'est une sorte de sacrifice spécifique qui est utilisé chez les chameaux. Il y a deux manières de sacrifier, ou bien nahr ou bien dhabh. Al-Nahr, ce qui est utilisé avec les chameaux, c'est quand on plante le couteau ou l'épée et on la ressort. Alors que Dhabh, c'est de couper les veines jugulaires et l'aorte et c'est-à-dire tout ce qui est au niveau du cou. Barakallahu fikum. Donc, quand Allah Ta'ala a dit « Fasalli li rabbika wanhar », il a cité ces deux adorations-là, car Salat, c'est la plus grande adoration pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc, c'est une des meilleures manières d'être reconnaissant envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc Allah Ta'ala, après lui avoir dit qu'il lui a donné l'abondance, lui a dit « Fasalli ». Alors pour cela, pour tout ce que je t'ai donné comme abondance, pour être reconnaissant, prie pour ton Seigneur. La salat, qui est la seule adoration qu'Allah Tabaraka Ta'ala a rendue obligatoire dans le ciel, auprès de lui, vu sa place et son importance. Et ces 5 salats qui ont la valeur de 50, salat, le pacte entre nous et eux, le kuffar, c'est-à-dire que celui qui la délaisse comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqad kafar, il a mécru. Comme on a dit, il a mécru, est-ce que c'est un mécréant ou il a fait un acte de mécréance ? Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, il a fait un acte parmi les actes des mécréants. As-salat, celle pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce sera la première œuvre, la première chose parmi les actes que le serviteur fait
sur laquelle il rendra des comptes le jour du jugement dernier. Si elle est bien, alors il réussira. Sinon, il sera parmi les perdants. En salat, c'est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort, qui est sur le lit de mort et qui dit « As-salat, as-salat, as-salat ». Voilà la meilleure adoration du corps qu'on peut faire. Et elle n'est pas seulement du corps et de la langue et du cœur qu'on peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la salat, c'est pour l'évocation d'Allah. Comme Allah ta'ala a dit « Aqimis salat li dhikri », pour l'évoquer, pour m'évoquer. Donc l'objectif de la salat, c'est évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas juste des mouvements comme ça aux sportifs. Mais c'est pour adorer et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a énoncé le fait de sacrifier. Et comme on l'a dit, c'est les chameaux. Car les chameaux, c'est la meilleure bête qu'on puisse sacrifier, celle qui a le plus de valeur. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a dirigé vers la meilleure chose à sacrifier, qui est le chameau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sacrifié pendant son hajj 100 chameaux pour le distribuer aux pauvres. Il en a fait 63 de ses propres mains. Et le reste, c'est Ali ibn Abi Talib qui les a sacrifiés. Radiallahu anhu. Et il en a cuit une partie. Et il a mangé. Et il a bu aussi de la sauce de ceux dont il a cuit. Une petite partie, le reste, il en a fait au monde. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, comme on a dit, la salat, elle lie entre l'humiliation du corps et du cœur. Donc c'est pour ça qu'elle est, alhamdulillah, elle a cette place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de sacrifier des bêtes, c'est une adoration en soi. C'est une adoration en soi, le fait de sacrifier pour Allah. C'est pour ça que celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, c'est un mushrik kafir. C'est un associateur, un polythéiste mécréant. Celui qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah, quand c'est pour une adoration bien sûr, que ce soit pour s'approcher de cette personne ou bien pour l'obéissance. Amma, si c'est pour manger, on sacrifie une bête pour vendre alors qu'on est boucher, on sacrifie une bête pour accueillir des invités, ceci ne rentre pas dans le shirk, au contraire. Ou ça rentre dans le licite, ou ça rentre au minimum dans ce qui est demandé. Ce qui est du shirk, du polythéisme, et ce qui est interdit, c'est de sacrifier pour une adoration ou pour une obéissance. Par exemple, si un sorcier demande de t'ordonne de faire un sacrifice, le fait de lui obéir en cela, c'est du shirk. À partir du moment où tu as sacrifié en obéissance au sorcier, tu as associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens se trompent en ce qui concerne les moments des sacrifices, que ce soit le sacrifice de l'Aïd ou le sacrifice de l'Aqiqa, quand on a un nouveau-né. Et ils réfléchissent qu'au côté financier et qu'au côté bénéfice des pauvres. Ah oui, mais les pauvres aujourd'hui ne mangent pas de viande, il n'est mieux qu'on leur donne de l'argent, etc. Non! Ce qui est demandé, c'est une adoration à Allah. Il t'a demandé le sacrifice. Faire couler le sang pour Allah. C'est une adoration comme la salat. Est-ce que la salat, tu peux la remplacer par une sadaqa? Tu peux la remplacer par un don? Même par des millions d'euros. Ça remplace une salat? Non. De même, tous les dons en argent que tu peux faire, ça ne remplacera jamais le sacrifice pour le nouveau-né, l'aqiqa, ou le sacrifice de l'Aïd. Ça, il faut que ce soit clair. Barakallahu fikum. Naam. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبَتَرُ. On a cité l'histoire de Ka'b ibn al-Ashraf qui a critiqué le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à celui-ci. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبَتَرُ. Celui qui te hait sera certes sans prospérité ou coupé de tout bien. Celui qui est coupé de tout bien, ni les biens de ce monde d'honneur, etc., ni les biens de l'au-delà, ni les biens en enfants et en prospérité. Non. Donc Abtar, c'est-à-dire, il est le plus coupé. C'est lui le pire de celui qui est coupé du bien. Non. Ceci aussi, barakallahu fikum, ce hukm, ce statut, il touche toutes les personnes qui détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui détestent sa sunnah, ou qui détestent la sharia. Toute personne qui critique le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui critique la sunnah, ou qui critique la sharia, lui aussi, il est coupé de tout bien. Il est coupé de toute bonne chose qui pourrait le toucher. Naam. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit ceci, car ils ont détesté ce qu'Allah a révélé, alors leurs actes sont devenus vains, ont été
annulé. Mais en ce qui concerne le prophète, alayhi salat wa salam, Allah Ta'ala, on a cité au début toute l'abondance et tout le bien qu'Allah lui a donné. Comme dit l'imam Sa'di, c'est le plus complet en réalité. Il a atteint le maximum de ce qu'une créature peut atteindre comme perfection. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et Allah Ta'ala, il a élevé son évocation. C'est quoi? À chaque fois qu'on dit l'adhan, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. On élève le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a lié le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son propre nom. Dans la personne qui veut entrer en islam, il doit attester les deux attestations de foi. Dans l'adhan, dans la prière et dans beaucoup de choses. Subhanahu wa ta'ala. Donc il a élevé son nom sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Aussi, comme on a dit, Allah tabarak wa ta'ala a fait que beaucoup de gens le suivent et beaucoup de gens l'aident sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a la récompense de tous ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tous ces bienfaits qu'on a cités au début de la sourate, l'abondance, toute l'abondance de ce monde et de l'au-delà, contrairement à celui qui le déteste, contrairement à celui qui le combat, contrairement à celui qui déteste ce avec quoi il est venu, contrairement à celui qui déteste la charia avec laquelle il est venu, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et aussi, toute personne, inshallah, qui s'attache à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, inshallah, il aura une part de cette abondance dans ce monde et dans l'au-delà. Une part de ce bienfait dans ce monde et dans l'au-delà. Toutes les parts qui ne sont pas spécifiques au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sont à ceux qui le suivent, comme on a dit tout à l'heure. Le fait qu'Allah Ta'ala il leur a promis l'aide sur leurs ennemis. Allah a promis à ceux qui ont la foi parmi vous et qui font des bonnes actions qu'il va les établir sur terre, qu'il va leur donner la lieutenance sur terre comme il l'a donné à ceux d'avant eux. Donc l'aide d'Allah est promise à ceux qui aident sa religion. Certes, Allah aide celui qui aide sa religion. Si vous aidez la religion d'Allah, Allah vous aidera et il raffermira vos pas. Donc tout ceci, c'est des promesses pour ceux qui s'attachent aussi à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le défendent, qui défendent sa sharia. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم. J'ai oublié de vous citer que c'est une sourate pré-égyrienne, Makkiya, et que selon l'ordre qui a été donné par certains ulama, c'est la 15e sourate qui a été révélée. وقل رب زدني علما.